Bonjour à tous, c'est Daphné. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur la chaîne de la saga The Days Off. Et aujourd'hui, on va faire une vidéo spéciale Pâques, puisque nous sommes le 1er avril. Donc tout d'abord, je vous souhaite à toutes et tous de joyeuses Pâques. Profitez de vos proches si vous avez la chance de pouvoir passer du temps avec eux aujourd'hui. C'est souvent l'occasion. Donc si vous pouvez, faites-le. Et aujourd'hui, nous, on va tester des petits jeux de Pâques. Et à la fin, je vous réserve une petite surprise, voilà, donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin, puisqu'à la fin, il y a un petit concours pour vous, voilà. Mais bon, ça, c'est à la fin. D'abord, on va jouer un petit peu. Alors, c'est des jeux que j'ai regardé sur Internet, voilà, qu'on peut voir, là, je suis sur jeux.fr. Je les ai pas testés, voilà, je sais pas du tout ce que ça va donner, mais je me suis dit que ça pourrait être fun, voilà, de tester ça ensemble. Donc, alors, donc là, on est sur Where Are You Bunny Bunny. Donc, où es-tu ? Lapin. En gros, c'est ça. Jouer. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Il faut trouver les 7 différences. D'accord. Donc là, il y a un truc. Ok. La bouche. D'accord. Je m'attendais pas du tout à ce que ce soit ça comme type de jeu. Les oiseaux. Là, il n'y a pas d'oiseaux. Non. Là. J'en ai que 3. D'avoir un truc sur les lapins, c'est obligé. Non? Oh, je suis nulle sur ça, moi. Ah, il y a... Ah, non. Merde. Ah mince, j'ai cliqué, fallait pas cliquer. Oups. Ok, alors attendez, on va se concentrer. Parce que sinon, on va faire des bêtises. Non, mais il doit avoir un truc sur les lapins. Attendez, cette différence. Je suis sûre que vous les voyez toutes, en plus. Et moi, je suis là, en train de me... torturer l'esprit. Ah là, la bande. Là, il manque une bande. Ok. La petite fille, elle a les mêmes cheveux. La couleur de ses yeux, c'est pareil. Dans les deux, elle a le bras tendu. Sérieux, il n'y a rien sur les lapins? Pas possible. Les couleurs des œufs, c'est pareil. Oh, cette concentration de fou. Attendez, il me reste encore 2 différences à trouver. Peut-être... Ah, là, ici. Là, et après... Oh, il m'en reste une. La frustration. Le lapin a bien son pompon. Cherchons. Non, mais je vais trouver. Hein. Je vais trouver, moi, je vous le dis. Ça vient pas des voitures. Hein. Les voitures, je vois rien de différent, que ce soit l'un ou l'autre. Les buissons, c'est pareil, c'est les mêmes. Là, on a déjà dit la différence entre les deux. Les nuages, il n'y a rien d'autre de différent. Le toit, c'est pareil. Alors, est-ce que c'est sur les petites briques ? On va regarder vite fait. Non. Les briques m'ont l'air pareilles aussi. Je tiens quand même à préciser que je suis en train de faire un jeu pour enfants. Mais même ça, j'y passe une plombe. Non, par contre, sérieux, il n'y a aucune différence sur les lapins. C'est fou ça. Forcément quelque chose. C'est pas les petits trucs sur le haut vent. Ah si, ça y est, je sais, il manque une bande. Ouh. Oh non, c'est les 7 différences à chaque fois. Oh la vache. Chiant. Oh, attendez, il y a là. 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 Il manque une tige. Bon, on fait juste lui, hein, et après on arrête. Parce que c'est chiant quand même. J'ai rien contre, mais bon, à un moment donné, voilà quoi. On va pas faire les 7 différences tout du long. Moi, je pensais que ce serait beaucoup plus simple. Où es-tu, Bunny Bunny? Ça m'inspirait pas ça du tout. Bon, celui-là, déjà, je vais un peu plus vite. Il me reste plus que 2 différences. Là, c'est pas... Ah! Pardon, j'ai fait popper la pub. Là, il en reste plus qu'une.
me dandine sur la musique. Là, il y a une ombre. Ok, donc ouais, c'est ça tout du long. Bon, on va switcher de jeu, hein. Ok, donc le deuxième petit jeu, on est dessus, ça y est, c'est les aventures de Minx. Donc on va regarder la petite cinématique ensemble. Minx. Oh, les pimpins, trop mignons. Oui, j'aime trop les pimpins, c'est pas ma faute. Alors les flèches. C'est faux. Les flèches, ça marche pas. Ah si, ça y est. Allez, on va aller dans le parc. Regardons ça. Ça, là, on peut pas. Pimpin. Ok. Mais on cherche quoi, en fait, là? Attends. Là, il y a un œuf. Non, là. Mm-hmm. D'accord. Non, on va pas... Alors, on va aller là. Là, il y a un œuf. Mais pourquoi je comprends pas les jeux pour enfants? Ah oui, elle va le choper comme ça. Ouais! Et le petit pimpin, on peut aller jouer avec lui? Ah oui! Oh non, c'est trop mignon! Nickel! Bon, on a un œuf. Super. On sortira pas bredouille. Oh, il y a un chat. Miaou. Il y a une tortue. Mais c'est trop mignon. Bonjour. Ah, on n'a pas de sous. D'accord. Bon, c'est pas grave. Regardons dans l'eau. Lui, là, il y a un truc. Lui, là. Allez, quoi. Toi, t'es un truc, là. Raboule. Non, mais donne. C'est nul, c'est nul. Mon pimpin est bloqué. Ok, bon, je sais pas. Là, ils sont sur des trucs, eux, on est d'accord. Tu veux pas me donner ton œuf? Non. Bon, ok, on se casse. Ah, il faut rejouer cette différence. C'est une blague. Puis évidemment, j'ai pas vraiment regardé le détail. Bon, ce sera peut-être plus facile, cela dit. Hein. Là, il manque une oreille. Ok. Là, il manque un tronc. Il en faut combien en tout? Là, il y a... Non, les œufs, c'est bon. Ils ont tous... Ah, là, il y a une patte. C'est bon? On a tout trouvé? Non, je crois pas. Lui. C'est bon? Non, encore deux? Encore deux. Il y a un truc avec les pommes? Non. Un truc avec le soleil? Non. Je suis désolée, ma souris, elle a des lags. Je lag sur un jeu internet. C'est quand même une vaste blague. Hein, je tiens quand même à le préciser. La tête. Non, chaque pimpin a la même tête, là. Ah là, la pomme, elle est pas au même endroit. Ok, et donc encore une. Où est-ce qu'elle est? Un truc avec les oreilles, non? Non. Allez, je la trouve pas la dernière. Je vais faire la technique de fourbe et cliquer partout. Si je clique partout, je vais trouver, non? Non? On n'en parle que même en cliquant partout. J'arrive pas à trouver la différence ou pas? Hein, c'est terrible. Ah ok, c'était au niveau de la patte. Alors même en cliquant partout, je vous avouerai que j'ai pas compris. Ok, là-dedans, il y a quoi? Non, j'aime pas ce mini-jeu. On va essayer d'explorer un petit peu plus. Et puis on verra. Ok, donc là, il faut taper sur le chocolat. Raté. Bim! Raté. Ah, mais on peut se déplacer. Ok, c'est mieux. Paf! Ça fait des chocapics.
Ah ouais. Merde. Ah non, j'ai plus de... Mais j'ai plus de chocolat! J'avais plus de balles! Mais c'est de la triche! Mais en fait, c'est chiant comme jeu! Oh là là! Ah, je suis... Ok, en plus, je suis un boulet. Alors, clac, bim, bim! Voilà! On a gagné un petit sou? Ouais! Ah, on peut aller acheter une glace du coup! On va l'acheter une glace. Donc ouais, le petit jeu est mignon, hein, mais c'est vrai que bon, je comprends pas tout le... Enfin, c'est pas ultra intéressant non plus, quoi. Allez, on va acheter une petite glace. Ici, je voulais la rose. Ah ouais, il ferme boutique. Carrément. Ok. Ah mais si, on a découvert des œufs en fait. D'accord, en fait, c'est juste qu'on les a pas ramassés. D'accord. Ah, moi, je voulais ramasser les œufs comme les enfants. Ouais, on met dans le château gonflable. C'est hyper con, mais c'est marrant. Ah, on peut aller manger avec les grenouilles. Les tortues, plutôt. C'est mieux. Il nous reste 4 œufs encore à trouver. J'y crois pas du tout qu'on va les trouver. D'accord, on a fini de faire le premier tour par là. Donc là, on a fait le tour. Vas-y, on revient là. Ah, on peut pas? Genre, j'ai fait le tour. Oui, là, je l'ai ramassé. Là, j'ai tout fait. Ah, on lui a donné une glace. Ok, ça m'a débloqué un œuf, du coup. D'accord. Ok, c'était lui qui voulait une glace. Ah oui, parce que le chat... Parce qu'elle est par terre et le chat l'a mangé. D'accord. Ah, et on leur donne du pain. Ah, ils nous donnent les œufs. Ouais. Vas-y, ramasse-le. N'empêche, de fourberie, on a déconcentré les pimpins. Ah, ok, donc il nous reste plus que ça. Bon, allez, on le fait quand même. Je pensais que c'était encore super long. Je comprenais pas tout, mais en fait, non, j'avançais dans l'ombre. Oh, j'ai rien compris. Là, il y a un truc. Ah ok, il faut déceler les formes d'œufs qu'il y a au travers des pimpins. La concentration. Là. Ici. Ah non, là j'ai cru qu'il y en avait. Ah si, il y en avait un. J'avais bien vu. Ouais, on a tout. On a tous les neufs. Titi. Allez, on y va. Ah, dis donc, c'est long le chemin pour des petites papates de lapin. Oh, c'est chou. Regardez, il y a tout le monde. Il y a le petit chat. Oh, c'est mignon. En 8 minutes, j'ai fait ça quand même. 8 minutes. Ouais. Quand même, 8 minutes. Bon, je pense qu'on va arrêter là. Et on va aller à une partie qui va vous plaire. Le concours. Évidemment, chose promise, chose due, c'est pas parce qu'on est le 1er avril que je vous ai fait une blague. Donc, j'ai un petit quelque chose pour vous, j'ai un petit concours pour vous que j'ai concocté de moi-même. Voilà, c'est quelque chose, comme vous verrez, c'est quelque chose d'assez simpliste. Voilà, mais c'est surtout quelque chose qui m'a pris du temps. Et en toute transparence avec vous, en ce moment, le temps, c'est une denrée assez rare chez moi. Donc, voilà, j'espère que vous saurez apprécier ça. Alors, je ne parle pas plus longtemps, je vais vous montrer les lots. Alors, je dis les lots parce qu'en fait, il y a deux lots. Voilà, il y a deux lots complètement identiques. Chaque lot comporte trois éléments. Voilà, donc je vais vous montrer ça. Je peux malheureusement pas faire de concours pour les 2000. Voilà, je peux pas faire un lot pour tout le monde malheureusement. Donc je fais de mon mieux avec mes petits moyens, on va dire. Mais bref, voilà, j'espère que vous serez contents quand même. Alors, les lots. Donc il y en a trois, comme je vous ai dit. On va aller du moins bien au plus bien. Bref, c'est pas français, mais vous avez compris. Donc... Chaque kiki qui gagnera le lot aura une petite carte. Voilà, je vous rédigerai un petit mot sur cette carte que j'ai faite moi-même. C'est quand tu veux la mise au point. Voilà. Donc c'est pas grand-chose, hein, mais bon, bref. Voilà, c'est une petite carte. Après, on a un petit marque-page lapin que j'ai faite moi-même également. Donc je vous le montre. Allez, fais la lumière sur le top play. Allez, copain Jean-Michel. Non, tu veux pas?
Bon, je suis désolée. Ah, ça y est. Voilà. Donc ça, c'est le petit lapin. Alors, je vais vous mettre une petite image de comment on s'en sert parce que, bon, c'est pas très très compliqué. Mais voilà, je vais mettre une petite image, voilà, filmée avec un livre pour que vous puissiez voir comment ça fonctionne. Et enfin, évidemment, le plus important, hein, c'est Pâques. Donc on va manger du chocolat. Hein. Donc, dans chaque lot, il y aura 5 sucettes en chocolat. Comme celle-ci. Voilà, des petites sucettes au chocolat au lait. Et puis voilà. J'ai fait le tour des lots. Donc il y en avait 3. Il y aura 2, bah, 2 gains complets, on va dire. 2 qui seront gagnants. Pour participer, c'est vraiment tout simple. Il suffit de laisser un commentaire sous la vidéo. Et bah déjà me dire si ça vous plaît ou pas, si la vidéo vous a plu, etc. Mais surtout, me dire, il faut que dans le commentaire, il faut que vous me dites quel est votre chocolat préféré. Voilà, entre, on va pas partir dans les chocolats avec du sel ou je sais pas quoi, on va rester sur du classique. Quel est votre préféré entre le chocolat blanc, le chocolat au lait et le chocolat noir? Voilà, alors moi, je vais répondre aussi. Je ne participe pas au concours, mais je vais répondre. Moi, je préfère le chocolat noir. Alors pas celui qui est super fort, hein, genre celui à 90% et tout, genre le chocolat noir. Voilà, juste noir, normal. Voilà, moi c'est mon préféré. Dites-moi le vôtre dans les commentaires pour pouvoir participer au concours. Voilà, voilou, je pense que j'ai fait le tour de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, aussi bien sur le plan du gaming que sur le plan du concours. N'oubliez pas de participer si ça vous intéresse, bien sûr. Moi je vous laisse. Bye bye les kikis.